Depuis que tonton est là, on fume de la marijuana. Pierre Perret. Oui. Je vous présente Charles Soignon. Pierre Perret, bonjour. Bonjour. Alors, fillette. Merci. Ça fait plaisir. Votre CD m'a donné envie de faire de la musique, moi, des chansons pour enfants, moi aussi. J'ai envie d'en faire. J'ai lu vos textes et le problème, c'est que je suis pas sûre d'arriver à votre cheville. Hein. J'ai pas un aussi bon dealer que vous. Hein. Elles sont incroyables, vos chansons. Voilà. Quand ils ont pris conscience de ça, et puis même moi, on était loin de l'importance qu'a revêtu plus tard, hélas, cette saloperie blanche qu'on se fout dans les trous de pif. Et il y a certaines radios qui ont commencé à lever le pied sur la programmation à cause de ça, justement. Ah oui. Ouais. D'accord, donc je vais changer de dealer. c'est vrai, parfois, on dirait que les chansons pour enfants, hein, pas forcément les vôtres, mais ont été écrites sous en fait, hein, comme une souris verte. Déjà, une souris verte, hein, c'est bizarre. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, ça fera un escargot tout chaud, ça pourrait être une phrase de Anne Romanoff sous Beaujolais. Hein. si c'est pas une phrase de mec pété. J'aimais pas cette chanson, moi. Vous savez, fais dodo, cola, mon petit frère. J'aimais pas cette chanson parce que petite, ça ne correspondait pas du tout, mais alors pas du tout à ma vie. Hein. Moi, ça aurait plutôt été, je sais pas moi, papa est dehors, qui cherche du boulot, maman est partie à cause des impôts. Là, ça parle de ma vie. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que les messages passent souvent mieux sous forme de comptines. C'est vrai, vous pouvez dire beaucoup de choses sous forme de comptines. Avec vos chansons, vous avez dit beaucoup de choses. Par exemple, je sais pas, tiens, Chris, tu pourrais dire à ta femme, les oiseaux dans le ciel font de jolies couleurs, rouge cerise, jaune au miel, j'ai couché avec ta sœur. Ça passe, t'as vu? Tout de suite, ça passe. Hein. Moi, mon père, il faisait ça tout le temps. Mon papa, il faisait ça tout le temps, sous forme de comptines. Ça, ça me plaît bien. Il faut faire des chansons, fillette. Hein, c'est ouais. Vrai. Alors, j'en ai une autre. Alors, c'est mon papa qui m'a beaucoup appris ça, parce que la fois, pour apprendre une sale nouvelle à mon petit frère, il lui a dit, dans l'herbe du jardin, le tout petit chat était si bien caché que la marche arrière de papa en a fait du steak haché. Ah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ah bah, ça va plus mon frère. Hein. Il a pas chat, alors vous avez écrit des chansons pour les enfants de 5 à 95 ans. Moi, j'écris des chansons pour les enfants de 65 à l'infini. Hein. Notre public, en fait. Je m'adapte, hein, les gars. Vous avez quel âge? Voilà, c'est bien ce que je disais. Ouais, mais attends, ne rouspétez pas, j'en suis aussi. C'est pas une insulte, quand même. On passera tous par là, j'espère. Alors, Pierre Perret, j'aimerais que vous me donniez votre avis donc, sur la chanson que je viens d'écrire. La chanson s'intitule « Le petit chaperon rouge Manoff ». J'espère que ça va être bien. Alors, attendez. Je tiens à dire que toute ressemblance avec des personnes existantes serait fortuite, d'accord? On y va. La Corée. C'est l'histoire du chaperon rouge Manoff qui avait beaucoup trop bu de Smirnoff. Qui ne boit pas d'alcool est devenue toute folle et s'est mise en tête de faire la fête. Dans la forêt, il y avait un ours triste qui disait s'appeler Fred Chigriste. Il était chafouin parce que ses amis s'étaient moqués de ses habits. Le chaperon lui dit, c'est vrai que cette chemise est vraiment une grosse bêtise. C'est alors que lui vint une idée d'appeler le lutin stylé. Elle fait appel à lui en poussant un cri qui disait Willy Rovelli. Il avait la voix d'un petit pois et le poids de mon petit doigt. Mais de tous les lutins, c'est le plus malin. Et ce tout les samedis matins. Il dit à Rouge Manoff, pour l'ours que je vois, c'est la Kalachnikov. Heureusement apparut le crapaud qui avait un drôle d'air de bobo. Il voulait faire partie de la bande à condition qu'on l'appelle Chris des Landes. C'est l'histoire du chaperon rouge Manoff à qui il arrivait que des catastrophes à cause de ses amis, de leurs idées et surtout de leurs habits. C'est dur à faire, hein. C'est très très dur. Autant chez moi, j'ai cartonné sous la douche. C'est bien, ah, c'est bien. Très bien. La succession est assurée. Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h30.